Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris à utiliser certaines options du menu format. Révisons maintenant ce qu'on a appris. Combien de types d'orientation de page existent-ils? L'orientation est de deux types, portrait et paysage. Pourquoi utiliser les lettrines? Les lettrines permettent de mettre en majuscule et en gras le premier caractère ou mot du texte ou paragraphe. Pourquoi utiliser la fonction clignotant? En utilisant l'option clignotant, on peut faire clignoter le texte sélectionné, ce qui signifie que le texte apparaîtra et disparaîtra de façon répétée. Maintenant, allumez votre ordinateur et ouvrez le fichier de Writer en utilisant l'une des méthodes que vous avez déjà apprises. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Dans cette vidéo, on va apprendre comment ouvrir le document de texte ou Writer. Tout d'abord, amenez votre pointeur sur le bouton de démarrage situé dans le coin inférieur gauche de votre écran de bureau. Cliquez sur le même bouton. Une boîte apparaîtra dans laquelle vous allez cliquer sur tous les programmes. Puis, vous devez cliquer sur Open Office qui vous permettra de voir les différents composants de OpenOffice, dans lesquels vous devez cliquer sur OpenOffice Writer et votre document sera ouvert. C'est comme ça, vous pouvez ouvrir le fichier de Writer. Voyons maintenant ce que l'on va apprendre aujourd'hui. Dans ce cours, on va apprendre les options du menu Format. Vous apprendrez des choses comme qu'est-ce que l'option modifier la case, qu'est-ce qu'un tableau, comment insérer un tableau, que sont les lignes et les colonnes, comment insérer des lignes et des colonnes, comment supprimer un tableau, qu'est-ce que l'option fusionner les cellules, qu'est-ce que l'option scinder les cellules. Pourquoi utiliser l'option Autoformat? Commençons par le cours. Tapez le paragraphe affiché à l'écran. Maintenant, on va découvrir l'option Modifier la case du menu Format. Avec l'option Modifier la case, on peut modifier la case du texte ou du paragraphe écrit, c'est-à-dire que l'on peut changer les caractères du texte en majuscules ou en minuscules dans les phrases. Apprenons maintenant à connaître l'option minuscule. Pourquoi utiliser l'option minuscule? On peut utiliser l'option minuscule pour changer le texte en lettres minuscules. Apprenons maintenant à connaître l'option case de phrase. Qu'est-ce que l'option case de phrase? Avec l'option case de phrase, la première lettre du premier mot d'une phrase et de tous les noms propres est mise en majuscule. Et dans la page de Writer, l'option case de phrase est présélectionnée. L'option suivante est celle des majuscules. Pourquoi utiliser l'option majuscule? Avec la fonction majuscule, on peut changer toutes les lettres du texte en majuscules, ce qui signifie qu'elles apparaîtront toutes en majuscules. L'option suivante est majuscule à chaque mot. Pourquoi utiliser l'option majuscule à chaque mot? En utilisant cette option, on peut changer la première lettre de tous les mots du texte sélectionnés en majuscules. La prochaine option que vous allez découvrir est basculer la case.
Pourquoi utiliser l'option basculer la case? Avec l'option basculer la case, on peut changer la première lettre d'une ligne ou de paragraphe en minuscule et le reste des lettres en majuscule. Regardons cette vidéo pour en savoir plus. Apprenons comment modifier la case de texte dans Writer à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, sélectionnez le texte dont vous voulez changer le case. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de sélection. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Une boîte de sous-menu apparaîtra. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Une autre boîte apparaîtra avec les différents styles de case, comme case de phrase, minuscule, majuscule, majuscule à chaque mot, basculer la case. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle option selon votre choix. Nous avons sélectionné l'option minuscule. Voilà, le texte sélectionné est changé en minuscule. Maintenant, sélectionnez à nouveau le texte. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur l'option Majuscule. Voilà, le texte sélectionné et changer en majuscule, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, sélectionnez une autre partie du texte. Et cliquez à nouveau sur le menu Format. Puis, amenez le pointeur sur Modifier la case. Et cliquez sur l'option majuscule à chaque mot. Voilà, la première lettre de chaque mot est changée en majuscule. Maintenant, sélectionnez à nouveau le texte dont vous voulez changer la case. Cliquez sur le menu Format. Amenez le pointeur sur le sous-menu Modifier la case. Et cliquez sur l'option Basculer la case. Voilà, chaque lettre du texte est changée en majuscule. Sauf la première lettre de la phrase, comme vous pouvez voir en vidéo. Sélectionnez à nouveau le même texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option Modifier la case. Et cliquez à nouveau sur l'option Basculer la case. Voilà, le texte se rend normal. Notez que l'effet de l'option Basculer la case est supprimé en recliquant sur la même option, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, cliquez sur Format. Ensuite, amenez le pointeur sur Modifier la case et cliquez à nouveau sur l'option Basculer la case. Et chaque lettre du texte est à nouveau changée en majuscule, sauf la première lettre de la phrase, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant,
Sélectionnez la première phrase. Cliquez sur Format. Amenez le pointeur sur Modifier la case. Et cliquez sur l'option Basculer la case. Vous pouvez voir que chaque mot de cette phrase est changé en majuscule, incluant la première lettre du premier mot, parce que toutes les lettres de cette phrase étaient en minuscules, qui sont maintenant basculées en majuscules en sélectionnant cette option. Alors, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Nous pouvons modifier la case de texte dans Writer. Jusqu'à présent, vous avez travaillé sur un texte. Maintenant, on va apprendre à faire un tableau. Pour cela, placez votre curseur après le dernier mot du paragraphe. Puis, appuyez sur la touche Entrée 2 à 3 fois et vous serez à la position souhaitée. Commençons à apprendre le tableau. Savez-vous ce qu'est un tableau et pourquoi l'utiliser? Un tableau contient des lignes et des colonnes. Il ressemble à votre cahier de mathématiques et comporte de nombreuses cases ou cellules. Les tableaux sont utilisés à de nombreuses fins, par exemple, pour le travail de bureau, pour les bulletins de notes, pour les calendriers, pour les notes des élèves ou d'autres travaux. Vous vous demandez peut-être ce que sont les lignes et les colonnes. Regardez l'image à l'écran. Vous voyez ici des lignes horizontales et des colonnes verticales. Ainsi, dans cette image, les lignes horizontales de cellules qui s'étend de gauche à droite sont celles de et les lignes verticales de cellules qui s'étend de haut en bas sont celles de colonnes. Apprenons maintenant comment insérer des tableaux. On peut mettre un tableau sur la page de 4 façons. Dans la première méthode, on utilise l'option Tableau du menu Insertion. Dans la deuxième méthode, on utilise l'option Insertion du menu Tableau. Enfin, vous pouvez utiliser le raccourci pour ce faire. La commande de raccourci pour insérer un tableau est CTRL F12. Enfin, la quatrième méthode consiste à utiliser la barre d'outils standard. Vous apprendrez cette méthode dans le module avancé. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur ces 3 méthodes. Apprenons comment insérer un tableau dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez insérer le tableau. Ensuite, cliquez sur le menu Tableau et amenez le pointeur sur le sous-menu Insertion. Puis, cliquez sur l'option Tableau. Vous pouvez aussi utiliser le raccourci CTRL F12. Une boîte d'insérer un tableau apparaîtra. Ici, cliquez sur la flèche haute pour attribuer le nombre de colonnes. Ensuite, cliquez sur la flèche haute pour augmenter le nombre de lignes. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la table est insérée avec les différentes colonnes et lignes. Vous pouvez aussi voir la barre d'outils de tableau avec les différentes options dans la page.
Notez que lorsque vous cliquez en dehors du tableau, sa barre d'outils disparaîtra. Et en cliquant à l'intérieur du tableau, la barre d'outils réapparaîtra comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi déplacer la barre d'outils de tableau dans le document selon votre choix. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer un tableau dans un document de texte. Maintenant, regardez l'image à l'écran et faites un tableau similaire. Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour aller d'une cellule à l'autre vers la gauche, la droite, le bas ou le haut. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur la façon d'insérer des données dans un tableau. Apprenons comment insérer les données dans le tableau dans Writer à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, placez le curseur dans la cellule où vous voulez taper. Dans cette vidéo, nous avons tapé Non. Ensuite, cliquez dans l'autre cellule et tapez numéro de rôle. Ensuite, cliquez dans la cellule de la troisième colonne. Ensuite, cliquez dans la première cellule de la troisième colonne et tapez mathématiques. Puis, cliquez dans la première cellule de la quatrième colonne. Ici, tapez le mot Anglais. Puis, placez le curseur dans la première cellule de la cinquième colonne et tapez Informatique. Maintenant, nous avons cinq rubriques dans ce tableau. Alors, nous allons taper les données selon les rubriques. Sous la rubrique « Nom », vous devez taper le nom des personnes comme Jeanne, Marie, Nicolas, et Marc. Ensuite, vous devez taper le numéro de rôle de chaque personne. Tapez les notes qu'ils ont obtenues en mathématiques. Ensuite, tapez les notes qu'ils ont obtenues en anglais, comme vous pouvez voir en vidéo. Puis, tapez les notes qu'ils ont obtenues en informatique. Alors, les données de chaque personne sont insérées dans ce tableau.
Vous pouvez aussi élargir la taille de chaque cellule comme montré en vidéo. Puis, sélectionnez le tableau entier en utilisant la souris ou pavé tactile. Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de l'option Taille situé dans la barre de formatage et sélectionnez la taille de votre choix. Voilà, la taille du texte est changée. Notez que si vous trouvez que l'orthographe de mot n'est pas correcte, il vous suffit de faire un clic droit à l'intérieur de ce mot et vous obtiendrez une liste de mots apparentés, à partir de laquelle vous pouvez sélectionner le mot correct. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer les données dans le tableau d'un writer. Comment insérer une ligne? Pour insérer une ligne, il faut d'abord amener le curseur sur une ligne juste au-dessus de l'endroit où l'on veut insérer la ligne dans le tableau et cliquer une fois avec le bouton rouge. Ensuite, allez vers l'option Insertion du menu Tableau et cliquez une fois sur l'option Ligne. Une boîte apparaît. En utilisant celle-ci, vous pouvez insérer la ligne. Regardons la vidéo et apprenons-en plus sur l'insertion de ligne. Apprenons comment insérer les lignes dans un tableau d'un Writer. Tout d'abord, placez le curseur dans une cellule de la ligne après laquelle ou avant laquelle vous voulez insérer les lignes. Quand on clique à l'intérieur du tableau, la barre d'outil apparaît avec les différentes options. Vous pouvez aussi cliquer sur l'option « Insérer des lignes » dans cette barre. Mais en ce moment, cliquez sur le menu « Tableau ». Puis, amenez le pointeur sur le sous-menu « Insertion ». Ensuite, cliquez sur l'option « Ligne ». Une boîte d'insérer ligne apparaîtra. Ici, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de lignes que vous voulez insérer. Puis, sélectionnez la position comme après et cliquez sur OK. Voilà, une ligne est insérée après la ligne où nous avons placé le curseur, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, vous pouvez taper dans chaque cellule de cette ligne, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer les lignes dans le tableau d'un writer. Comment insérer des colonnes? On peut également insérer des colonnes de la même manière qu'on insère des lignes. Regardons la vidéo et apprenons-en plus. Apprenons comment insérer des colonnes dans le tableau de Writer. Ici, vous pouvez voir qu'il y a les différentes colonnes. Dans cette vidéo, nous devons insérer la colonne après la colonne de rubrique informatique. Alors, placez le curseur dans une cellule de cette colonne. Puis, cliquez sur le menu Tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur l'option Insertion. Une boîte apparaîtra avec trois options. Cliquez sur l'option Colonne.
d'une boîte d'insérer colonne apparaîtra pour changer les paramètres. Ici, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de colonnes que vous voulez insérer. Vous pouvez aussi sélectionner la position de colonne selon la position du curseur dans le tableau. Sélectionnez la position après et cliquez sur OK. Voilà, la colonne est insérée après la colonne de la rubrique informatique comme vous pouvez voir en vidéo. Donc, c'est comme ça, nous pouvons insérer des colonnes dans Writer. Voyons maintenant le sous-menu Supprimer. En utilisant Supprimer, on peut supprimer une table, une ligne ou une colonne. Regardons maintenant la vidéo et apprenons comment utiliser la fonction Supprimer. Apprenons comment supprimer les lignes et les colonnes dans un tableau dans Writer. Ici, vous pouvez voir les différentes lignes. Quand vous placez le curseur à l'intérieur du tableau, une boîte d'outils de tableau apparaîtra, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Tableau. Une boîte de sous-menu apparaîtra. Puis, amenez le curseur sur le sous-menu Supprimer. Une autre boîte apparaîtra avec trois options, comme Tableau, Ligne et Colonne. Maintenant, pour supprimer des lignes, cliquez sur l'option Ligne. La ligne est supprimée où nous avons placé le curseur, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, placez le curseur dans la cellule d'une colonne que vous voulez supprimer. Cliquez sur le menu Tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Supprimer. Et cliquez sur l'option Colonne. Voilà, la colonne est supprimée où nous avons placé le curseur. Alors, c'est comme ça, nous pouvons supprimer les lignes et les colonnes dans un tableau de Writer. Ensuite, vous allez découvrir l'option Sélectionner. En utilisant cette option, on peut sélectionner l'ensemble du tableau, de la ligne ou de la colonne. Voyons comment utiliser cette option en regardant la vidéo. Apprenons comment sélectionner les lignes, les colonnes ou des cellules de tableau dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur à l'intérieur du tableau. La barre d'outils de tableau apparaîtra. Après avoir placé le curseur, cliquez sur le menu Tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Sélectionner. Vous y verrez quatre options, comme Tableau, Ligne, Colonne et Cellule. Maintenant, cliquez sur l'option Tableau. Voilà, le tableau entier est sélectionné, comme vous pouvez voir en vidéo. Ensuite, désélectionnez le tableau et placez le curseur à l'intérieur du tableau. Puis, cliquez à nouveau sur le menu Tableau. Amenez le pointeur sur le sous-menu Sélectionner et cliquez sur l'option Ligne. Voilà, la ligne entière est sélectionnée où nous avons placé le curseur. Maintenant, placez le curseur dans une cellule de la première ligne. Puis, cliquez sur Tableau.
amener le curseur sur l'option Sélectionner et cliquez sur l'option Colonne. Voilà, la colonne entière est sélectionnée dans laquelle nous avons placé le curseur. Ensuite, cliquez à nouveau sur le menu Tableau. Amenez le pointeur sur Sélectionner et cliquez sur l'option Cellule. Voilà, la cellule est sélectionnée où il y avait le curseur. Pour sélectionner des lignes, vous pouvez aussi utiliser le souris ou pavé tactile. Pour le faire, cliquez sur le bouton gauche de votre souris ou pavé tactile et faites-le glisser, comme montré en vidéo. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle ligne, cellule ou colonne de votre choix, soit utilisant le souris ou pavé tactile, soit utilisant le menu Format. Alors, c'est comme ça, nous pouvons sélectionner les lignes, les colonnes et des cellules dans Writer. Apprenons maintenant à connaître l'option Fusionner les cellules. Savez-vous ce qu'est l'option Fusionner les cellules? Fusionner signifie combiner ou faire un tout. L'option Fusionner des cellules est utilisée pour combiner deux ou plusieurs cellules en une seule. Regardons la vidéo pour en savoir plus sur l'option Fusionner les cellules. Apprenons comment fusionner des cellules dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez les cellules que vous voulez fusionner. Vous pouvez sélectionner plus d'une cellule pour les fusionner. Ensuite, cliquez sur le menu Tableau. Puis, cliquez sur le sous-menu Fusionner les cellules. Voilà, les cellules que nous avons sélectionnées sont fusionnées, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons fusionner des cellules dans Writer. Voyons maintenant l'utilisation de l'option « Scinder les cellules ». Savez-vous ce que l'on entend par « scinder » ? Scinder signifie séparer ou faire des parties d'une unité. En utilisant l'option scinder les cellules, on peut diviser une cellule en plusieurs cellules, ce qui veut dire que l'on peut diviser une cellule en plusieurs parties. On peut diviser une cellule horizontalement ou verticalement. Apprenons à utiliser cette option en regardant la vidéo. Apprenons comment scinder les cellules de tableau dans Writer à l'aide de cette vidéo. Tout d'abord, placez le curseur dans la cellule que vous voulez scinder. Ensuite, cliquez sur le menu Tableau. Puis, cliquez sur le sous-menu Scinder les cellules. Une boîte de scinder les cellules apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle orientation de votre choix. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer le nombre de scinder la cellule. Puis, sélectionnez l'orientation comme verticalement. Ensuite, cliquez sur OK.
Voilà, la cellule où il y avait le curseur est maintenant scindée verticalement, comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, pour coller le mot anglais dans une autre cellule, tout d'abord, copier en utilisant le raccourci CTRL-C le même mot. Puis, placez le curseur dans une autre cellule où vous voulez le coller. Et en utilisant le raccourci CTRL-V, collez le même mot. Voilà, le mot anglais est collé dans une autre cellule. Alors, c'est comme ça. Nous pouvons scinder la cellule en plus d'une partie du tableau dans Writer. Voyons maintenant ce qu'est l'option Autoformat. Autoformat est une option qui offre de nombreux modèles ou formats différents pour les tableaux. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner un format pour concevoir un tableau avec ce format. Vous pouvez apprendre comment utiliser l'option Autoformat en regardant la vidéo. Apprenons comment formater le tableau en utilisant l'option Autoformat dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur à l'intérieur du tableau. Ensuite, amenez le pointeur sur le menu Tableau et cliquez-y une fois. Une boîte apparaîtra. Puis, cliquez sur le sous-menu Autoformat. Ça vous donnera les différents formats de tableau prédéfinis. Une boîte d'autoformat apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel format prédéfini selon votre choix, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte. Il y a une liste de formats prédéfinis. Après avoir sélectionné un format, cliquez sur OK. Voilà, le tableau est formaté, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons formater le tableau en utilisant l'option Autoformat dans un document de texte. Ce cours est maintenant terminé. Vous devez fermer le fichier de Writer et éteindre correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris à utiliser l'option Modifier la case. Vous avez également appris ce qu'est l'insertion de tableau, l'insertion de lignes et de colonnes. Puis, vous avez appris à supprimer un tableau, une ligne ou une colonne et à sélectionner un tableau, une ligne ou une colonne. Vous avez également appris à fusionner des cellules et à diviser des cellules. Enfin, vous avez appris à concevoir des tableaux en utilisant la fonction Autoformat. Alors, bonne journée et à bientôt!